Salut à tous, c'est Sorator pour la suite du Let's Play de la terreur sur Resident Evil 2. Donc, on a chopé les trois médailles, on a pu passer. Alors, je m'attendais pas à être bloqué en fait. Du coup, il y a peut-être quelques items que j'aurais pu récupérer que j'ai pas encore chopé. J'ai un rubis sur moi, je sais pas encore à quoi il sert exactement. On a plus de balles, on a juste des cartouches de fusil à pompe. Et j'ai plus de quoi crafter. Des balles classiques. Après, je sais pas si enfin, le fusil à pompe est peut-être plus rentable dans le sens où il peut peut-être one shot. Là, faut une manivelle, mais il faut des trucs tout le temps là. Oh là là. Poudre noire. Je sais pas. À part sauvegarder, on a sauvegardé juste avant. Parce que si je crafte une poudre noire et jaune, ça me donne quoi? Ça me donne que 4 cartouches, c'est pas ouf, hein. JPPKDU. Qu'est-ce que. Ah, Charlie. J'ai pas tout crafté, wesh. Regarde, il me reste les grenades, il me reste de la poudre noire. Tu te calmes, ma chère. Tu te calmes. Au pire, je recommence le jeu en facile, hein. Rien. J'ai 2 balles. À la limite, c'est même mieux de pas prendre le gun, je crois. Bon, Osef de la note. Hein. On va sauvegarder parce que bon, on va éviter de se retaper la cinématique si on crève comme une vieille schlagasse. Mais c'est pour eux en plus qui me dit eh, tu peux te soigner, t'inquiète pas, machin, nanani nanana. Et là on me dit eh, t'as tout crafté, t'auras pas assez, tu vas mourir comme un caca. RT. Push on the button. Le problème c'est que les zombies tu peux pas vraiment les esquiver, c'est des petits couloirs. Ils sont putain d'intuables. J'ai un soin, ouais, j'ai un soin. Mais est-ce qu'il y a des fenêtres là où je vis? Moi je garde ça, je sais même pas s'il y a des fenêtres. Puis en même temps, il peut pas faire du karaté quand il y a un zombie. Coup de tatane dans la gueule et il se casse le zombie. On va voir si ça descend loin ou pas. Une porte. Je ne sais pas si elle est verrouillée. Elle est verrouillée, très bien. Comme ça au moins on aura jeté un coup d'œil de ce côté. D'accord. Il souffle de désespoir. Ah là là. C'est pas le seul, hein, t'es gâté. Va falloir se calmer, hein. J'ai oublié un item. Quoi, j'ai oublié un item? Pour Rolo. Ah oui, il y a une grenade. J'ai pas oublié, je l'ai pas vu, c'est pas pareil. Mais qu'est-ce que. Alors attends, les grenades c'est comme ça et c'est. Ok. Putain, une grenade, je vais me suicider avec. Hein. J'aime pas ce couloir, je sais pas pourquoi. Non,
Y a un truc dans la pièce. Y a un truc dans la pièce. Y a quoi dans la pièce? Pourquoi la pièce est rouge? Qu'est-ce que... Alors c'est... Non, c'est l'ensemble peut-être. Je ne sais pas. On peut mourir avec notre propre grenade, bah ça m'étonne pas. J'en serais capable, avec le stress de tirer comme une vieille merde et de mourir. Surtout faire la manip. De toute façon, le couteau, on va jamais s'en servir directement, je pense. Le couteau, c'est juste en autodéfense, donc... Bon, j'évite de courir, hein, parce que... Je suis pas hyper serein, dirons-nous. Le coffre de quoi j'ai raté la clé USB, non je l'ai pas trouvé. Oh putain. Putain. Oui, oh putain. Oh. Oh merde. Je crois qu'il est en train de monter. Putain, je vais devoir le tuer. Au revoir. J'ai nulle part où aller. Il dit à l'aide, hein. Non, où aller? Alors, est-ce que comme à l'ancienne, on peut combiner... Putain, j'ai pas pris assez de soins, je pense. Putain, on peut même pas combiner les trucs vite fait. Oh putain! Le bras, je pense. J'en sais foutrement rien. Bah, je veux bien m'en aller. Umbrella. Moi, je veux bien partir, hein, je demande que ça. Hein. Jean Gaston. Hein. C'est où je suis d'office ou... Il a l'air de savoir où je suis. Putain de merde. C'est un one shot ? Putain de merde ! Des merdes. Putain, j'essaie de lui bourriner le bras, mais... Je suis un peu coincé, là, non? Attends, pousse, pousse, pousse! Je vais pas avoir assez de balles, qu'est-ce que... Et ça m'a même pas mis en... Ok, non, je suis un peu... C'est un verre cacadois, là. Putain, je sais. Ce soit run. Ben, run, je me coince, là. Quoi, run pour aller où? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? New house, motherfucker. Mais nique ton pain aussi, non? Putain de merde. J'ai bien de me récupérer. Ah, c'est pas une mine, putain, je crois que c'est un truc à récupérer. Récupère, là! Bah, va-t'en, bah ouais, va-t'en toi. C'est pas
pas très flingue. Oh putain. Va-t'en, viens ici, faudrait savoir. Attends, parce qu'il faut que j'arrive à me retourner, lui tirer un peu dessus. Oh putain. Esquive latéro-latéral, TMTC. Il va retomber du ciel ? Là, est-ce qu'il y a des trucs ? Je sais pas. Quoi ? Vise bien l'œil. J'essaye. J'ai bien reconnu le truc de la mutation. Oh putain, mais non, mais... Et si j'ai plus de balles, je fais comment après, moi ? Nique ton pain ! Il s'est mis à genoux ? Je veux le brûler avec le fusil à pompe ? Putain, je sais pas, je l'ai pas vu. On voit rien avec la fumée en même temps. Oh, putain, merde. J'arrive pas à viser, hein. Je stresse trop. Je tire dans le bras, mais ça touche pas le truc jaune. Nique ton pain ! Putain ! Bordel de merde. J'arrive pas. Putain, ça me saoule. Bah ouais. Putain. Je pense qu'il s'adapte au nombre de balles, j'en sais rien, mais... C'est très bizarre pour les gars. Il fait pissi. First try. Et ça débloque une échelle, on sait pas pourquoi. Genre, il y avait un mec d'Umbrella qui regardait et... Ouais, ah bah, c'est ça, alors. J'ai rien dit, alors. Il y a un truc qui me revient. Mais oui, un perso. Mais oui. Alors, je sais pas... Ce qu'il y a, c'est que le 2, je crois que j'ai jamais fini, vraiment. Alors, j'étais jeune et j'ai... J'avais rien suivi au scénario, parce qu'il y a un personnage de type brun, brune. Qu'on revoit dans le 6, notamment. Alors, attends, du coup... Maintenant, on a le temps, hein. Donc la grenade, on peut s'en servir en mode autodéfense. Hop. Combiné. Tac. Bon, en théorie, on a tout pris. Fouille partout, c'est bon. Il avait une conjonctivite, ouais, d'accord. Oui, Aurélie, c'est ça. Mais je voulais pas le dire, tu vois, histoire de faire un peu de faux suspense. Madame Wong. Ah, d'accord. C'est vrai que j'avais oublié ça. Je crois que c'est bon après, non? On n'a pas... Ah oui, en 98, t'avais réussi à le faire en 2h36. Je crois que j'ai vu une news, genre il se fait en 1h15 ou 1h30, je sais plus. Bon, après, c'est les speedrunners, hein, qui travaillent dans tous les sens et qui connaissent par cœur. Donc... Allez, hop. On va aller voir à droite. Coucou! C'est bien, il me donne un peu de soin. De quoi faire des balles. Alors, du coup, je vois, je sais vraiment pas. J'hésite au niveau des balles. Hein. Là, ça redescend. Ok. Du coup, on va aller voir en face.
C'est pourquoi couper la fumée? Donc bouger une plateforme, ok. Ok. Très bien. Du coup, j'ai pas eu le temps de dire pour la clé USB, c'est pour avait l'air de dire peut-être que c'était après, j'ai pas eu le temps de lire, je sais pas. De toute façon, on m'a dit que je pouvais y retourner après. Donc, de toute façon, c'est l'objet, il y a plein de trucs que j'ai pas pu ouvrir. Donc, Par contre, je veux bien une zone, ouais, une zone un peu safe, merci. On a sa coche. Ça fait toujours un plaisir, on a sa coche. Il y a même le coffre. Le coffre magique. Alors du coup, pour l'instant, on va stocker tout ça. J'ai une plante rouge, ok. Pour l'instant je sais pas, ça aussi combine. Ça c'est bien qu'ils aient mis la combine dans le truc. Parce que devoir sortir ça aurait été un peu chiant. On garde la grenade, ça fait le taf. Après sur un zombie caca peut-être pas, mais voilà. Si on croise un autre gros monstre, ce serait bien de l'avoir sous la main. On va aussi recharger. Hop. On a de quoi se crafter quelques balles, mais on va attendre un peu de voir comment ça évolue. T'occupes pas de la clé. Ok. C'est quoi cet accent? Par contre, du coup... J'ai gardé... Oui, ça sert à rien de garder les trucs qui sont cochés, mais... comme pour vous disait, lui, il préfère les garder parce qu'il a peur que ça... Oui, ça sert à rien maintenant qu'ils sont cochés en rouge, c'est qu'on a tout trouvé, mais... Enfin, on l'a utilisé dans tous les trucs. Enfin, plus tard. Salut à tous. Parking. Désert, ok. Alors attends, là il y aurait une porte, on va aller la checker. Putain, j'espère qu'il n'y a pas de zombies. Un peu de répit. Ouais. Ça ferait pas de mal. Un peu de répit. Un peu de répit. C'est fermé de ce côté. Eh bien. Pourquoi il y a un petit grincement là? La musique, il y a une note là. Une note de musique. Il va y avoir un truc à s'obliger. Bonsoir. Pour l'île de Raccoon City, montrez-vous. Je vois rien, il y a des poubelles, c'est pas des... Il y a rien à ramasser là. Mais il y a des trucs, hein, il y a un bruit là. Ou il y a un zombie contre le portail. Non, ça vient pas du portail, ça vient de là-bas là. Il reste une porte. Il reste la grille. Super. Merde. Il me faut la carte. Oh putain. Non mais pas un ennemi mobile. Oh c'est pas vrai. Tu vas me lâcher. C'est...
C'est elle ou c'est pas elle? Attention. Mais c'est elle. Oh, le petit toutou. Comme c'est triste. Baisse ça. FBI. Désolé. Merci. Petit pépé. Pour votre aide. Je me demande comment t'as survécu. FBI, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, cette information est confidentielle. Vous allez où? Un conseil pour ton bien. Ne pose pas de questions et fiche le camp d'ici. Un conseil avisé, ma foi. Qu'on va pas suivre, hein, bien sûr. Hey! Mais qu'est-ce que je dois faire? Bon, déjà, elle m'a ouvert deux portes. C'est un bon début. Est-ce que je peux t-bag le chien? Du coup, ok. Eh ouais, non, mais vu leur rapidité, leur mobilité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, on va aller voir par là d'abord. Je sais pas s'il y a. Un sens entre eux. Je vais aller voir l'autre côté quand même, juste pour voir à quoi ressemble la salle. Je sais pas. Voir si c'est pas juste une petite salle. Mais non, parce qu'elle y va, donc c'est pas une petite salle. Parce que j'allais dire, ça se trouve, il y a une salle point de sauvegarde, mais. Je pense pas. On va jeter un coup d'œil ici, c'est plus petit. Un téléphone, on a des papiers aux F. Des balles, pas aux F du tout, ça. Un plan, ça c'est pas mal. Un plan partiel, qu'est-ce que... J'ai un plan, mais c'est pour me révéler l'autre côté. Parce que là, c'est... Ah, mais de toute façon, c'est juste une cellule. Okay. Bah, elle est passée où? Attends, elle est bien rentrée là-dedans? Mais qu'est-ce que... J'ai pas... Hein? Elle est bien rentrée dans cette pièce. Ah, mais ça continue. Par contre, monsieur... Je sais pas... Ouais, non, mais tu me saoules. J'ai pas envie. Comment tu veux savoir s'il est mort, là? Putain. Le couteau, il va péter. Je vais pas utiliser mon punaise. Salope. Salope, salope. Salope, salope. Pardon. Je m'emballe un peu. Go! D'accord. Le mec, il a juste fait un... Au moment où la balle passait, tu... Ouais. J'y suis, là! Contrairement à toi! Mais parce que là c'est fermé, donc je vais aller fouiller ici et puis après j'irai explorer de l'autre côté parce que là y a rien après ici, on est d'accord. Hein. Tout ça c'est fermé. Ouais. Soso, perso, ce zombie ne s'est jamais relevé. Alors ça se trouve, se touche pas, il fait rien. Hein. Sympa. Sympa l'ambiance ici. Alors attendez, parce que... Comment l'épidémie est arrivée jusque là? J'ai des mecs enfermés. C'est bizarre ça. Mais je sens la connerie. Ici. Putain, stop, faire grincer la porte là. Oh.
crois que c'est pour ouvrir les cellules. Non? Tout est fermé. Mais ouais. Bonjour. Bonsoir. Il y a quelqu'un? Ah, j'y crois pas. Un vrai humain. Salut, l'humain. Depuis quand vous êtes là? Trop longtemps. On est les derniers survivants? Non. Non, il y en a d'autres. Ah, c'est tant mieux, j'imagine. Ouais. Sauf si c'est Irons qui t'envoie. Irons? Le chef de la police? Il est encore ici? On s'en fout. Avec un peu de chance, il s'est déjà fait bouffer. Quoi? Comment ça? C'est l'enfoiré qui m'a enfermé ici. Je suis sûr qu'il avait ses raisons. C'est vrai. J'étais sur le point de balancer ses magouilles. J'aurais fait la même chose, j'imagine. Hé, je te propose un marché. Libère-moi et je te donne ça. C'est le seul moyen de sortir du parking, crois-moi. Désolé, je peux pas faire ça. Je dois d'abord parler au chef. Écoute, on est tous les deux pris au piège ici. Donc, soit on fait un effort et on s'entraide, soit... Eh merde, il arrive. Quoi? Qu'est-ce qui arrive? Allez, allez, fais pas le con. T'as besoin de ça. Fais-moi sortir de ce putain de trou. J'aurais pas l'occasion de t'aider, mon gars. Qui est là? Ce n'est que moi. Alors range ton arme. Je sais même pas ce qui s'est passé. Tout est allé si vite. Je t'avais dit de t'en aller. À moins que tu ne veuilles finir comme Ben. C'était qui? C'était un indique. Il avait quelques informations utiles à mon enquête. Donc ce qu'il disait était vrai? Hé, hey, arrêtez de me laisser en plan comme ça! Je connais même pas votre nom! Moi, c'est Léon Kennedy. Trouve un moyen de sortir, Léon. Tant qu'il est encore temps. Ensuite, on verra. Mais... madame! Moi, c'est Ada. Ah. Marché conclu, alors. Alors du coup, faut que j'ouvre les cellules. Oh putain. Ah, quelle horreur. Mais ça, c'est dans le commissariat que c'était utile, mais oui. Hein? Il manque un truc, là. Quoi? C'est pas juste un truc à la con, faut retourner les circuits, là. Non, il doit manquer un truc. Je ne sais pas... Panneau électrique des cellules. Le panneau électrique est HS. D'accord. On va avoir besoin de pièces. Ah. Il doit y en avoir dans la salle du générateur. On me signale qu'il n'y a qu'une seule de ces pièces dans la salle du générateur. Le type venu réparer la cloche dans la tour de l'horloge doit en avoir une autre. Donc pièce du générateur et tour de l'horloge. J'aurais oublié dans 4 minutes. Punaise. D'accord, ça lui a coûté les yeux de la tête. Oh my god. Mais alors du coup, ça sert à quoi ça? Je me prépare à sprinter. Bon, ça marche pas parce qu'il n'y a pas le courant, on est d'accord. C'est pas indépendant, la cellule du fond et les autres. Ok, tout est lié. Donc quand on ouvrira la petite... C'est... Attends, mais du coup... Mais toi. Et donc ça ouvrira tout. Et donc je sais pas comment c'est lié. Et oui, non, il y a un espace ici, ok. Je suis tendu. Du coup, faut aller là-bas, mais... Je peux avoir une zone safe un peu, là? Salut à tous. C'est donc qui les dit.
Mais j'aime pas, là, c'est noir, là, putain. I can smell the death. I can smell the death. Oh, 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 salle de générateur, ok. Et l'autre, il me parlait de la tour de je sais pas quoi, là, tour de l'horloge. Chenille, mais c'est là où il y a les chiens, nique ton pain. Je vais pas là-bas. Qu'est-ce que... Oh oui, le chenil, bah oui, c'est ça, Yamé, nique ton pain, joue au stand de tir. Oh putain, j'en sais rien. On veut de la viande. Je vais en avoir. Destruction d'équipement. Quoi? Clé du véhicule de patrouille. Clé pliée inutilisable, mais pouvant encore ouvrir les portes et les coffres de la voiture grâce au bouton. Ah! Donc cette fameuse clé peut me permettre d'accéder au coffre pour le véhicule 7439. Une boîte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, la fameuse clé, ok. Donc je peux retourner sur le parking et ouvrir ce qu'il y a dans la voiture. Par contre, j'aimerais arrêter vraiment. Je suis un peu en PLS là. Monsieur Raccoon, tais-toi. Ah, les jouets, Monsieur Raccoon, oui, on en a cassé un et on s'est fait bouffer à cause de Poro, je m'en rappelle. C'est votre copain du zoo de Raccoon City. Vous connaissez les jeux de Monsieur Raccoon? Ok. Ne faites pas ça, ne tirez pas sur les jouets Raccoon. D'accord, il y a quelque chose derrière, il y a une plante. Mais je sais pas, je le sens pas. Un truc qui me turlupine. Il se serait relevé, non? Est-ce qu'on a besoin d'y aller dans cette salle? Ils sont deux. En plus, il y a une meuf, RT. Arrête, Charlie. J'ai pépé. Go courir sans t'arrêter. Bonsoir. Faut vraiment que je fasse une pause. Hein. Faut que je trouve une sauvegarde là. Je suis stressé. Il y a un truc là, des balles. Bah ouais. Faut la clé aux anges, OFC. Pourquoi ça me sert de cramer des balles pour aller récupérer des balles? Ok. On peut pas barricader les portes aussi, hein. Y'a rien pour sauvegarder là. Attends, y'a une échelle. Cool. Oui, par où on y arrive? Non. Tour de l'horloge. Qu'est-ce que... C'est quoi cette échelle là? Par contre, le véhicule. Je sais pas lequel c'est moi. Ah bah c'est celui-là. Bah 7439, on est d'accord. Ben use your truc là. Ah d'accord. On se calme. Ouais d'accord. Ah mais il prend deux emplacements maintenant, bah ouais, super. On peut décombiner. Attends, à quoi ça sert? Il permet de tirer trois balles, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Attends.
Non, mais je peux redescendre. Est-ce que... Mais ce qui est bizarre, c'est quand je regarde la map, ça correspond pas. Ou alors c'est pas aligné, j'en sais rien. Moi, je vois la tour de l'horloge, ça me turlupine, là. Parce qu'on n'a pas le plan d'en dessous, en fait. Mais Osef, d'en dessous, c'est là d'où je viens, on est d'accord. Je suis perdu, hein, je stresse tellement que je m'auto-perds. Putain, j'ai envie de sauvegarder. Ouais, je viens d'en bas, on va pas y aller. Gauche chenille. Je veux juste voir si c'est fermé au fond. Ça doit être fermé, c'est rouge. Donc de toute façon on n'a pas le choix, c'est le seul truc. Le sous-sol c'est rapide en vrai. Oui non mais je veux sauvegarder, je veux arrêter. Laissez-moi tranquille. On les entend déjà. Saloperie. Bizarrement, j'ai pas envie d'ouvrir cette porte. De l'herbe bleue. Violette. Bleu. C'est pour le poison, ça, normalement, ça. Des chiens qui empoisonnent. De toute façon, j'ai pas d'herbe verte pour faire les... Ah, je peux faire un mélange complet, si. Si je me fais empoisonner. Ta mère, tu te calmes. Oh putain. Bon, je pense que c'est juste pour intimider, hein. Ça va pas péter, hein. Ils vont pas mettre trois chiens, c'est pas possible. Puis il y a une boîte de canigou là. Ok. Ok, on a. Ok, faut juste passer. C'est bleu, on a tout ramassé ici, allez, salut. Là, y'a rien, ok. Et si, quand tu te retournes, y'a la caméra. Alors, pourquoi tout à l'heure, ça a pas marché? Tout à l'heure, j'ai fait un demi-tour, la caméra a pas tourné, c'était bizarre. De la viande, oui, bah pour l'instant, la viande, elle est cachée dans son placard. C'est fermé, on est obligé de passer par la morgue, ouais. Trop génial. Alors attends, on va d'abord fouiller la morgue. Donc cette manivelle va être réutilisable, je pense, parce qu'on en avait besoin dans le commissariat. Bonsoir. Une morgue dans Resident Evil, comme c'est drôle. Rapport d'autopsie. Justin Hanson, 39 ans, retrouvé mort dans sa cellule par les gardiens. Les poings sont encore serrés par la rigidité cadavérique qui disparaîtra vite. Le défunt était un kleptomane notoire. Ça veut dire... Attends, comment il s'appelle? Mince. Justin Hanson. Ça veut dire qu'il a peut-être un truc... Ouais, d'accord, c'est illisible. Justin Hanson? Where are you? Justin! Qu'est-ce que... Parce qu'apparemment il a la main, il avait la main crispée donc il devait avoir un truc, non? Hein? Ah, il faut vraiment s'approcher, ok. Putain. C'est pas toi, Johnston? Il y aura forcément une connerie à un moment.
Comment tu fais un aller-retour? Quoi? Ah, ah, pardon, mais je crois que c'était une blague. Arrière rond. Putain, Charles, c'est faux. Je crois que c'est une blague de merde. Arrière rond, avec le joystick. Attends. Je crois que c'est bloqué. Mais... Niquez-vous aussi, non? Putain de merde. Mais ils me bouffent pas ces machins, c'est juste des gros cafards géants dégueulasses. Je crois que dans un des Resident Evil, il y avait un insecte qui pouvait te becter là. Une plante rouge, ok. Qu'est-ce que ça fout là-dedans, on sait pas. Ah mais je vais être blindé là, je peux plus rien prendre après, ouais, faut se calmer le jeu. Hein. Fait la moitié, génial. C'est trop génial. Du coup, ça, je peux le jeter. Allez, on va le jeter. Hop. Voilà, on va pas s'encombrer de trucs inutiles. L'herbe bleue, j'aurais peut-être pas dû la ramasser tout de suite. Hein. C'est dans le 3, les insectes. Bon, ils ont dû le reprendre dans 1, parce que le 3, je l'ai jamais tué. Au revoir. C'est un bug ou c'est normal qu'il fasse de la tectonique? J'ai pas de... J'ai déjà rouge et vert, je peux pas refaire un mélange. Après je peux faire bleu et rouge mais... Ça se combine? Ah oui ça se combine. Par contre faut mettre du bleu je crois pour que ce soit consommable. Donc ça ce sera un truc intégral, faudra vraiment que je garde quand je serai en PLS avec du poison. C'est toi qui as le bras tendu là. Salut Acide. Je sais pas. Mais Tolo, Tolo, je te... Nique ta mère. Pardon, je... Mais d'où tu... Go ! Mais non! Je suis dans une porte! Fuck you! Attends. Faut passer par le chenil? Non. Je me saoule. J'essaie d'économiser mes balles, voilà le résultat. La 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 la. Le mec vise le mur. On va éviter les gros mots pour eux. Je vais faire comme si t'avais rien dit. Je crois que j'ai fait une connerie. Laissez-moi tranquille. Je veux juste... Une dernière danse... Avant l'ombre... Et l'indifférence... Je veux juste... Une dernière danse... Il y a de la poudre. Il vient de roter. Oh putain de merde. Combiné. Vous voulez pas aller vous niquer là? Je peux le faire. Ça les one shot pas. Voilà les gars. Saloperie. Non mais c'est une blague. Fusil à pompe mon gars. What the fuck? C'est quoi cette merde? J'ai pépé de ces zombies. Hein. Ils mouraient plus vite avant. Hein.
Ok, c'était complètement random, mais ça passe. Qu'est-ce que... Ils sont derrière la grille? What the... Attends... Pousse! Ta mère! Pardon, mais... On se calme, OMG! Je crois que je suis tendu. Je crois que j'ai tiré la deuxième pour rien en plus. Putain. Mais tu veux gérer ça comment? C'est des ninjas les trucs là. Saloperie. Putain. Alors moi j'ai moins d'items maintenant, ça c'est sûr. Tu as changé de sexe quoi, je vais arrêter de regarder le chat, qu'est-ce qui se passe. Il me reste un item mais j'ai pas dû le frôler parce que normalement ça apparaît sur la map. Ah il y a une plante. Ok. Je vois pas comment on y accède mais ok. J'aurais pas dû mélanger la bleue parce que là si j'ai besoin de me soigner je vais devoir cramer la bleue, c'est ça craint. Je vais attendre de voir si je trouve pas une rouge toute seule. Du coup dans la salle on est bon là, on peut partir par là, ok. De toute façon là pour l'instant on a rien d'autre à faire. Faut repasser par le chenil. Si mon... Débloquer le chenil, je le déteste. J'avais oublié le zombie de la morgue. Bonsoir, ouais, il y a un chien derrière. Nick. Mais regarde, des fois, la caméra se retourne pas, JPP. Je vous demande de vous arrêter, monsieur. Juste tombe, au moins. Putain. C'est insane, hein. Nique ta mère. J'en peux plus, hein. Vraiment, je suis trop stressé de ces zombies de merde. What the fuck? Donne-moi mon couteau et je me tire. Mon couteau a pété. Ok. Nique son pain. C'est toi qui louche. JPP. Et j'ai vu qu'il y avait un chien qui... Il va pas passer. T'es pas un chat. Parce qu'on dit bien que les chiens... Ah mais au pire, de toute façon ils sont de l'autre côté donc il va me faire chier quoi qu'il arrive. Bordel. Il va me faire chier de l'autre côté, mais putain il me reste 3 balles. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Parce qu'ils sont de l'autre côté, je suis obligé de passer à côté d'eux. Go courir, putain, pardon. Mais déjà je vais passer par le chenil. Oh ouais, je vais courir, hein, tant pis. Bonsoir. Ah mais il y a des trappes en fait au sol, donc ils passent par où ils veulent en fait. Ils peuvent passer d'une là. Putain de merde, l'autre, easy. Esquive ton... Bouge. Bon, au moins ils font pas mal, là ils ne croquent pas. Ils bougent juste. Et là j'en avoir un devant moi. Cassez-vous là. Laissez-moi tranquille. Oh putain. Oh putain. Pourquoi je viens là? Je sais pas ce qu'il y a dans cette salle de mort. Oh putain.
Ouais, non, mais c'est bien, mais D'accord, donc là, je me coince. Pellicule. Oh putain, ouais, oh là là. Les gars, il me reste 3 balles, 3 cartouches. Alors attends, faut que j'arrive à les shooter et à barrer. Putain de merde. Putain, niquez-vous. Niquez-vous. Chaud, chocolat. J'ai plus rien. Il reste une cartouche. Je suis tendax. On sort. Salle de pause. Si c'est un troll, le jeu, je te... Putain. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour cet épisode. Waouh, donc je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite. Ciao.